Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices Java pour débutants. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les classes Java. Alors, l'exercice est le suivant. Première question. Créer une classe Java nommée voiture de visibilité publique ayant pour attribut string marque double prix de visibilité publique. Deuxième question, créer un constructeur sans paramètres par défaut. Troisième question, créer les getter et setter, c'est-à-dire les méthodes pour récupérer les valeurs des variables et les méthodes pour donner des valeurs aux variables. Quatrième question, créer une méthode void affichée permettant d'afficher les résultats. Cinquième question, donner le code final de la classe. Et finalement, la sixième question, créer une classe exécution de visibilité publique permettant d'exécuter les résultats. Alors, je commence par créer un nouveau projet sur Eclipse et je vais créer une nouvelle classe nommée voiture. Je clique sur Finish. Voici maintenant la classe, elle est créée et on a dit qu'elle possède deux attributs, string marque et double prix de visibilité publique. Je définis premièrement l'attribut marque, string marque, et ensuite l'attribut prix, double prix. Et on a dit que les deux de visibilité publique, j'ajoute ici public, string marque, et ensuite public double prix. Voilà, maintenant c'est terminé pour la première question. Deuxième question, créer un constructeur sans paramètres par défaut. Alors on a dit que le constructeur, c'est une méthode qui possède le même nom que la classe. Donc je vais mettre ici public voiture et ensuite j'ouvre et je ferme les accolades. Et voici le constructeur sans paramètres par défaut. Alors, troisième question, créer les getter et setter. Alors, je vais ajouter ici un commentaire pour marquer ici la création des getters ou bien des setters. Création des setters, par exemple. Création des setters. Alors, je vais créer le premier setter, public void setMark. Cette marque. Et à l'intérieur, je vais mettre ici la marque du type string. String, je vais la nommer par exemple MQ, qui veut dire marque. Et je vais ajouter ici la commande this.marque égale MQ. Pour affecter la valeur MQ à la variable marque. Et ensuite, la création du deuxième setup, public void set prix. Et je vais ajouter ici le paramètre prix.
double prix, ou bien je vais le nommer simplement PR, double PR. Et j'ajoute ici la commande this.pli, this.pli égale égale PR. Alors j'ajoute un commentaire ici, création des getters. Je crée le premier getter pour la marque public string get mark, pardon, string c'est avec majuscule, get mark. Ensuite j'ouvre les accolades get mark et cette méthode là va retourner la variable marque. Retourne marque. Ensuite la création du deuxième getter public double get prix. Alors cette méthode là va retourner le prix. Retourne prix. Alors maintenant quatrième question. Créer une méthode void affichée permettant d'afficher les résultats. Alors, j'ajoute ici la méthode public void afficher. Cette méthode va afficher les résultats, c'est-à-dire qu'elle va afficher la marque de la voiture et elle va afficher le prix de la voiture. J'affiche maintenant premièrement la marque system.out.println. La marque de la voiture. De la voiture. Et je vais faire la concaténation avec la valeur de la marque. Je mets un plus ici. This.marque. Ensuite, j'affiche le prix de la voiture, system.out.println. Le prix de la voiture, et je vais faire la concaténation avec la valeur du prix plus this.prix plus, je vais ajouter ici le symbole euro, bien le mot euro. Alors, cinquième question. Donner le code final de la classe. Eh bien, c'est ça le code final de la classe. Rien à ajouter. On passe à la sixième question. Sixième question. Créer une classe exécution de visibilité publique permettant d'exécuter les résultats. Alors, je crée une nouvelle classe. Je fais bouton droit ici. New, classe. Je vais l'appeler exécution. Cette méthode ou bien cette classe
va continuer la méthode public static void main pour pouvoir exécuter les résultats. Et je clique ensuite sur finish. Voici la classe d'exécution. Alors, pour commencer, je vais faire l'instanciation sur la classe. Sur la classe voiture. Je vais mettre voiture, le nom de la classe, ma voiture égale new voiture. Maintenant, je ne peux pas ajouter le paramètre ici, par exemple, voiture, entre parenthèses, le nom, parce que j'ai utilisé, ou bien j'ai créé seulement, un constructeur sans paramètre. Je ne peux pas utiliser les paramètres ici. Je vais utiliser les fonctions getter et setter. Alors, je vais attribuer la marque Renault, par exemple, à la voiture, à l'aide de la méthode setMark. Je vais mettre ici ma voiture point setMark point setMark. Je vais mettre entre parenthèses Renault. Alors, la méthode setMark permet d'ajouter une variable à permet d'ajouter une valeur à la variable marque. J'ai choisi ici comme valeur Renault. Elle va être attribuée à la valeur marque. Ensuite, pour le prix, je vais utiliser la fonction setPrix ma voiture. Point setPrix. Je vais ajouter ici le prix sous forme d'un nombre double. Je vais ajouter par exemple 13 000 euros par exemple. Alors maintenant, je peux afficher les résultats à l'aide de la méthode afficher. La méthode afficher ici, je l'ai déjà codée. Public void afficher, system.out.println. Qui affiche la marque de la voiture et this.mark va m'afficher la marque de la voiture et Renault parce que j'ai attribué la valeur Renault à la variable marque et il va m'afficher ensuite elle va m'afficher cette fonction ensuite le prix de la voiture et this.prix et j'ai attribué à l'aide du setter le prix 13 000 euros. Il va m'afficher le prix de la voiture est 13 000 euros. Alors, j'utilise la fonction afficher ma voiture point afficher. Alors, j'exécute maintenant. Voilà, il m'affiche. La marque de la voiture est Renault. Le prix de la voiture est 13 000 euros. Et voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.